Ce message tant attendu, Fédéral Faye, il faut signer. Ainsi, la régie vigilance. La régie, s'il vous plaît. Il faut notifier que les camarades sont là, issus de plusieurs sections partout à travers Cocody. Et donc, ils sont venus nombreux. Ainsi que la population des deux plateaux, les oliviers, bien évidemment, qui sont venus écouter ce message. Nous sommes là. Depuis midi 00, nous sommes là. Depuis midi, nous sommes là, nous ne pouvons pas d'accord avec ça. Si on est d'accord, on applaudit ça. Parce que depuis midi, on est là, c'est pour écouter le message. Bien évidemment, c'est la délégation. Merci. Fédéral Faye ? Oui. Oui, donc, nous avons... Oui. Déjà, il faut saluer le public qui est ici présent. Je vais vous saluer, chers parents, chers militants du FPI. Oui, les choses vont se dérouler tout à l'heure, d'un moment à l'autre. Mais déjà, celui que... nous attendons, est là, actuellement. Veuillez le vacciner si vous êtes content. Oui. Ils sont là ce soir, c'est une forte délégation qui accompagne le SM, afin de vous entretenir sur les questions que vous avez, certaines préoccupations. Il va apporter certains éclaircissements sur... De là, retenez que d'un moment à l'autre, nous vivons sur un territoire qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Bien sûr, on va... passer à l'hymne national de notre pays. Avant l'hymne national de la Côte d'Ivoire, je voudrais au passage qu'on salue les délégations d'Adjapé qui sont ici représentées par le camarade Lebognon, le camarade Louga. Je voudrais les saluer. Ainsi, merci à cette fédération qui nous soutient tant. Toutes les autres fédérations sont donc actuellement en chemin pour nous donner sur cet espace les oliviers. Sur ce, donc, on va oui, poursuivre. Bien évidemment, je laisse la parole nationale de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, tenez-vous debout. Oui, le respect fait partie du FPI. Nous respectons notre pays. Alors... On continue, vous restez debout, chers camarades. Restez debout. Il y a l'hymne national de notre petit, celui-là même pour lequel nous sommes là. Je voudrais, et donc à ce stade qu'on salue encore les délégations issues des différentes sections des quartiers, sous-quartiers de Cocody, et donc tous ceux-là sont représentés, bien évidemment, c'est les dignes combattants du Front populaire ivoirien, véritablement ici à Cocody, pour dire qu'à Cocody, les gens aiment Gbagbo, pour dire qu'à Cocody, c'est Gbagbo qui est notre référent. À Cocody, transformation s'il vous plaît. Et maintenant, après les hymnes, nous allons procéder aux allocutions. Titre des allocutions, il faut noter que nous allons tout d'abord assister à l'intervention du camarade Koutouan Magloire, représentant du bureau fédéral F de Cocody, donc le représentant du fédéral Kouré Antoine. À sa suite, nous allons donc assister, nous allons donc lire la motion de soutien à l'appel à candidature de la fédération JFPI de Cocody. Ensuite, nous allons assister à l'intervention fédérale du secrétaire général de la fédération JFPI de Cocody, la personne du fédéral Dapacalos. Enfin, nous allons donc donner le cachoir à notre orateur du jour, mais qui sera présenté bien évidemment par le fédéral Dapacalos lui-même. Et donc, fédéral Faé, à toi l'antenne. Merci, merci. Veuillez applaudir ce monsieur. Oui, il fait un travail formidable pour le FPI, comme vous. Alors, chers camarades, je souhaite la bienvenue à cette délégation, cette forte délégation, quand vous remarquez. Appréciez. Et applaudissez. Attrapez ça aussi. Attrapez les deux ensemble. Voilà. Veuillez applaudir les camarades militants. Oui, le FPI est aujourd'hui à un carrefour. Et ce carrefour est déterminant pour les Ivoiriens. Il est déterminant aussi pour les camarades que nous sommes. Ce soir, comme vous le remarquez, oui, il y a une forte pour vous entretenir. Vous entretenir sur quoi? Nous sommes à l'orée des élections de 2020. Le président Laurent Gbagbo est déjà libre. Est-ce que vous le saviez? Et tu l'as dit. Est-ce que vous le saviez, camarades? Mais vous ne savez pas pourquoi. Non. Vous savez Merci. Camarade Dati. Oui. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais laisser le soin oui. au chef afin de souhaiter la bienvenue à la délégation. Je voudrais donc, sur ce petit titre, appeler le secrétaire général de la section donc des deux plateaux et par ailleurs secrétaire donc fédéral. Il est le représentant du secrétaire général de la fédération FPI de Cocody, le camarade le fédéral Kouré Antoine. Bonsoir. Allô. Bonsoir chers camarades, militants du Front populaire ivoirien. Bonsoir ceux qui sont venus nous écouter ce jour. Au nom du bureau fédéral de Cocody, au nom du fédéral Kouré Antoine que je représente, et en mon nom personnel, au nom de la section FPI des deux plateaux, au nom de mon bureau de section, je vous... Allô. 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 Je voudrais dire bonsoir et bonne arrivée au SN et à toute sa délégation. C'est un honneur pour nous, aux deux plateaux, de recevoir cette première rencontre du Fonds populaire ivoirien et en particulier de sa jeunesse. Cette rencontre qui va permettre ici à notre population de se rendre effectivement de la présence du Front populaire ivoirien sur l'échiquier politique. Nous ne sommes pas morts, nous sommes debout. Debout pour attendre notre leader Laurent Gbagbo. Plus que jamais, nous allons vers la victoire. Et ce jour-là, c'est un grand jour pour cette jeunesse qui nous fait l'honneur de nous rendre visite. Et je vais permettre à la jeunesse de dire son mot. Et son mot qui va nous reconforter. Parce que depuis très longtemps, des femmes, des hommes nous interpellent. On dit quoi? Gbagbo vient quand? Est-ce qu'il sera président? Ce n'est pas moi de répondre. Ceux qui portent la voix de Gbagbo Laurent sont présents. Ils vous le diront vous-même. Merci. Merci au Front populaire ivoirien. Merci. Merci aux camarades de la section du plateau. Et merci encore. Bonne arrivée, chers camarades. Merci. On va parler. Le fédéral. Les salutations. Donc l'officiel, avant de regagner sa place, pendant ce temps, on va souffler un peu avec la régie. Et la régie, quand tu peux. Au titre donc de nos allocutions, il s'agit donc Fédéral Paye. Oui, je te laisse le soin de le présenter. Alors, camarades, vous avez assisté comme du fédéral, du représentant du fédéral Kouré. Au sein de la GFPI, nous avons qui guide nous oriente, qui gère les affaires du FPI, de la GFPI ici. Je ne vais pas me prononcer longuement, mais je vais acter. Dapacalos, le secrétaire général fédéral de la GFPI Cocody. Veuillez façonner le chef. Veuillez façonner le secrétaire général fédéral de Cocody. Seul dans la fédération, il n'est pas seul. Où sont les membres va attraper quand il y a. Allô. Merci. On peut s'asseoir. Voilà. Je pense que c'est vrai. Je suis fier. Allô. Comment tu fais pour toi? Non. La distance. Allô. Non, ici. Coupez les autres. Non, viens ici. C'est pas ça. Voilà, viens. Allô. Voilà. Ok. C'est une position. Allô. Ok. Je vais demander à tous les membres du bureau fédéral. Merci d'être venus sur l'espace, mais allez vous asseoir. Voilà. Ok. C'est bon? Voilà. Camarade Koutouan, membre du bureau fédéral FPI de Cocody, représentant du secrétaire général FPI de Cocody, le camarade Kouré Antoine. Camarade Lasme Blaise, secrétaire national de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Ok, c'est bon? Tu n'es pas loin d'être réglé comme les autres. Camarade Lasme Blaise, je répète ça parce que quand je dis Lasme Blaise, je veux voir tous les militants de Cocody en train de façonner le camarade. C'est le secrétaire national à l'organisation de la jeunesse du Front populaire ivoirien. C'est notre chef de la guerre et de la paix. Demain, c'est lui qui nous dira, voilà le carrefour, quand je me réveille, on dit vous êtes là-bas. Donc c'est important, nous avons reçu un monument de la JFPI sur le plan national. Camarade, toi et ta délégation, en vos rangs, grade et qualité, soyez salués. Camarade secrétaire fédéraux, membre du bureau fédéral JFPI de Cocody, camarades secrétaires généraux de la fédération JFPI de Cocody, camarades militantes, camarades militants. Je suis heureux de voir une telle mobilisation. Saluez votre mobilisation. Lorsqu'on nous informait qu'on devait faire un meeting aujourd'hui, on était pratiquement à 72 heures du jour qu'on nous fixait. Certains se demandaient si la jeunesse du Front populaire ivoirien de Cocody pouvait être réunie en 72 heures en un lieu. Je pense que le bureau national tirera sa propre conclusion aujourd'hui. Je suis fier de vous. Vous avez répondu, je suis fier de vous. Nous n'allons pas faire un long discours aujourd'hui parce que les voies indiquées sont là. Les sachants sont là. Ceux pour qui nous nous sommes déplacés sont là. Mais seulement ce qu'on veut dire au nom de la fédération JFPI de Cocody, c'est que nous sommes à l'heure de l'élection présidentielle de 2020. Et il est important pour nous qu'en tant que jeunesse dynamique, jeunesse du Front populaire ivoirien, de dire de façon claire notre position à l'envoyé du premier responsable national, à l'envoyé de Daniel Nestor. Voilà pourquoi je vais lire la motion de la jeunesse militante de Cocody. Je vais lire la motion de la jeunesse militante de Cocody. Motion d'appel à la candidature du président Laurent Gbagbo. Considérant que l'élection démocratique est le moyen par lequel le peuple choisit librement ses gouvernants, considérant les attentes du peuple ivoirien souverain, vu les résolutions du congrès ordinaire du FPI tenu les 3 et 4 août 2018 à Mossoul, notamment la volonté de donner au FPI tous les moyens légaux nécessaires pour la reconquête du pouvoir d'État via des élections justes, libres, transparentes et inclusives, considérant la victoire judiciaire éclatante du président Laurent Gbagbo à la CPI, victoire qui lui permet de pouvoir pleinement s'affirmer politiquement dans son pays au profit du peuple souverain de Côte d'Ivoire, considérant le parcours du président Laurent Gbagbo en qualité d'homme de paix et de réconciliation au service de l'intérêt supérieur du peuple de Côte d'Ivoire, prenant en compte l'avis déterminant de la base incarnée par la Fédération quant à la nécessité de se prononcer sur les questions d'extrême urgence en vue de donner son quitus à la direction du parti sur ces questions, eu égard à tout ce qui précède, la Fédération JFPI de Cocody appelle officiellement à la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Elle apporte tout son soutien, tout son appui à la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire. Ainsi s'est exprimé tous les militants de Cocody, nous tous confondus. Nous avons choisi Laurent Gbagbo. Ce choix n'est pas un choix qu'on a fait à la légère. Laurent Gbagbo, qui est notre leader, qui est notre président de parti, a vaincu la communauté internationale. Laurent Gbagbo a vaincu. Laurent Gbagbo a vaincu. Allô. Laurent Gbagbo a vaincu la communauté internationale. Les gens dans le monde, tous les gouvernants du monde qui hier en 2010 ont créé toutes les conditions pour que ce monsieur qui est un leader d'Afrique indésirable pour eux parce qu'il n'accepte. Allô. Donne-moi l'autre micro. Allô. Il faut s'applaudir parce que les micros sont en train de nous maltraiter. Voilà. Ok, j'espère que ça va aller. Ce monsieur qui a été combattu en 2010. Ce monsieur qui a vu. Allô. Ce monsieur qui a vu toute une coalition contre lui, qui à un moment donné, à notre niveau, on apprenait que ces gens-là disaient que c'était fini pour lui. Ils l'ont conduit à la Cour pénale internationale. On nous a dit ici en Côte d'Ivoire, dans nos quartiers, qu'il ne va jamais sortir de là-bas. Quand on t'emmène là-bas, c'est un mouroir. Les Blancs ont eu raison de lui. On a tout attendu. Ce monsieur-là a gagné le combat face à la communauté internationale. Après 8 ans de procès, aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est libre de rentrer en Côte d'Ivoire demain matin. comment comprendre? Pour nous qui sommes restés dans la résistance en tant que jeunes, pour nous qui avons lutté après 2011, parce qu'il fallait que Gbagbo sorte des liens de la détention, comment comprendre qu'on peut faire un autre choix si ce n'est celui de Laurent Gbagbo libre pour ces élections présidentielles de 2020? On a entendu d'aucuns dire qu'il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C. Mais c'est parce qu'ils ont envie de parler des plans. Sinon nous, le président Laurent Gbagbo est libre et c'est notre candidat. C'est notre candidat. Ce que je veux vous dire, c'est appeler tous les responsables de la jeunesse du Front populaire ivoirien de Cocody, les SG de section, les responsables de base, tous nos militants, à être prêts. Et quand je dis prêt, il faut être psychologiquement, moralement prêt. Parce que le mot que j'ai vraiment l'envie de donner ce soir, c'est que c'est à nous de créer les conditions pour voir le président Laurent Gbagbo revenir dans son pays. On l'a déjà choisi. Mais on ne peut pas rester à la maison, rester dans les réunions, restez sur les réseaux sociaux et faire avancer les choses. Je suis venu vous dire que je prends tout le monde à témoin pour dire au bureau national que la jeunesse du Front populaire ivoirien de Cocody attend le mot d'ordre de Daniel Nestor pour être responsable et pour prendre les choses en main. Vraiment, après ce mot-là, je vais permettre. Ok. Comme on me permet de, je vais permettre. Celui que je vais annoncer ici, tout à l'heure, je disais que c'est le secrétaire national à l'organisation de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Mais il est important pour moi de dire que ce camarade-là nous permet d'espérer à des lendemains meilleurs. Parce que quand on le voit, on a espoir demain. On espère au jour meilleur demain. Parce qu'en manière de lutte, la JFPI, c'est vraiment celui qu'on appelle l'avenir en commun. Parce que c'est l'avenir du Front populaire ivoirien au niveau de sa jeunesse. Le camarade Lasme Blaise, le secrétaire national, c'est naturel parce qu'il y a longtemps ce poste-là même il l'occupait. Même si ce n'était pas encore collé sur lui. Nous sommes fiers de lui. Il faut recevoir le camarade Lasme Blaise. Le bureau fédéral, pas que le bureau fédéral. Ok, après. Je ne ressens rien. Hein. Ça marche pas. Nous autres là, c'est au village qu'on est né. Au village, on dit B, B, B. C'est bon. C'est bon, on m'entend. C'est bon, on m'entend. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, chers parents de Cocody. Merci au Bureau fédéral de Cocody. Merci à nos amis de la Fédération de Cocody. Merci aux militants et aux militantes de Cocody. Mais permettez-moi, avant tout propos, de saluer mes camarades. Je suis arrivé ici avec une forte équipe. Donc, il faut mettre un nom sur chaque visage. Donc, je suis avec le camarade Mangoné Bipatrick qui va se lever pour qu'on puisse se saluer. Le secrétaire national chargé des finances adjoint de la GFPI. Je suis avec José Kouadjane, secrétaire national chargé de la solidarité. Je suis avec Blafond Félicité. Blafond est où? Bon, c'est pas grave. Atsé Gérard, secrétaire national chargé de l'armée. Géhi Koulibaly, secrétaire national adjoint chargé du district d'Abidjan. Sier Kambou, secrétaire national chargé de la documentation et des archives. Dadier Magoua, secrétaire national chargé de la communication. Kenan Honoré, membre du bureau national de la jeunesse du Fonds populaire ivoirien. Doumbia Moussa, alias Jagger, membre du bureau national de la jeunesse du Fonds populaire ivoirien. Nous sommes venus aussi avec des membres de cabinet, notamment l'équipe de Daniel Nestor. Je vais citer la DICAP de Daniel Nestor, la camarade Fleur Esther Akembo. Je vais citer la camarade Eivé Ouattara Bintou. Zori Gada, membre du cabinet du SNCH de la communication. Je crois que c'est tout, hein. Si je n'ai pas fait d'erreur. En même temps, j'ai mes amis dans la fédération de Cocody. Le fédéral de Cocody, c'est mon ami. Donc il faut saluer le fédéral de Cocody. Il faut saluer Digo Moïse, qui est aussi mon ami. Il faut saluer Faé, qui est aussi mon ami. Il faut saluer le Wally Cagnon, qui est aussi mon ami. Mais pour la petite histoire, le Wally Cagnon est celui qui est chargé de m'apprendre à parler. Sa spécialité à l'université de Cocody, c'est la science des langages. Donc son travail auprès de moi, c'est de m'apprendre à articuler les mots. Donc toujours il me dit, mais chef, il faut parler lentement. J'ai dit, tu m'emmèdes. Et on est toujours ensemble quand même. Donc il faut saluer mon professeur en langage. Chers parents, je suis venu vous dire qu'une ère nouvelle s'annonce sur la Côte d'Ivoire. Je suis venu vous dire, pour ceux qui n'ont pas pu avoir du travail, parce qu'ils n'ont pas de nom à consonance nordique, que cet état de fait est terminé. Je suis venu vous dire que bientôt, Kandia Camara sera plus ministre de l'Éducation nationale. Je suis venu vous dire que bientôt, Hamed Bakayoko ne sera plus ministre en Côte d'Ivoire. Je suis venu vous dire qu'Amadou Soumaro, alias Cimetière, ne sera plus président de l'Assemblée nationale. C'est ce message simple-là que je suis venu vous donner. L'heure n'est plus au grand discours. Ma fonction à la JFPI, je suis celui qui doit organiser le combat. Je suis celui qui doit organiser la lutte. Je suis celui qui doit structurer la lutte. Ma fonction n'est pas de bavarder. Ma fonction n'est pas de parler. Mais c'est de vous préparer à assiéger les rues. C'est de vous préparer à agresser les rues. C'est de vous préparer à mener le combat. On vient de me lire une motion. J'ai pris acte. Mais dire qu'on veut Gbagbo comme candidat, ça ressemble à une incantation. Si on ne se donne pas les moyens de l'avoir comme candidat. Vas-y. Ça peut aller? Soyez serein, il y a des infiltrations partout. Voilà, ne soyez pas distraits. Donc, j'étais en train de vous dire qu'on vient de me lire une motion. J'ai compris, j'ai pris acte. Mais dit simplement de Gbagbo qu'il est d'autres candidats, sans accompagner ça par des actes concrets, c'est faire des incantations. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui est dominé par la peur. Parce que nous avons des gens qui ont été tellement méchants, qui ont été tellement mauvais, qui ont maintenu des pères de famille en prison. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle là, Dogoblé est encore en prison. Jusqu'à aujourd'hui je vous parle là, API est encore en prison. Jusqu'à aujourd'hui je vous parle là, CKCK est encore en prison. Et ils ont pensé que 2020 n'allait pas arriver maintenant. Or, on est dans 2020. Du coup, la peur s'est emparée d'eux. Ils se demandent quand on perd le pouvoir, qu'est-ce qu'on va devenir? Vous avez vu Kandia Camara en train de se lamenter pour dire que quand on perd le pouvoir, qu'est-ce qu'on va devenir? Allez-y dire à Kandia Camara que quand elle va perdre le pouvoir, comme elle dit qu'elle est enseignante d'anglais, elle n'a qu'à chercher un collège où elle pourra enseigner l'anglais. C'est elle-même qui dit qu'elle est enseignante d'anglais. Quelqu'un qui ne comprend pas français, c'est anglais, elle comprend. Mais qu'il n'ait pas peur. Qu'il n'ait pas peur. Parce que nous, la vengeance qu'on a à prendre, c'est la vengeance contre la pauvreté dans laquelle ils ont mis les Ivoiriens. La vengeance qu'on a à prendre, c'est la vengeance contre la misère dans laquelle ils ont plongé les Ivoiriens. La vengeance qu'on a à prendre, c'est d'augmenter le prix des produits de nos parents paysans. La vengeance qu'on a à prendre, c'est de supprimer les frais d'écolage qui empêchent les Ivoiriens de mettre leurs enfants à l'école. C'est la vengeance qu'on a à prendre. Quand ils n'étaient pas au pouvoir, le kilogramme de viande était à 1200. Maintenant, c'est à 2500. On doit se venger contre ce prix-là. Quand ils n'étaient pas au pouvoir, le litre d'huile était à 750 francs. Maintenant, c'est à 1200. On doit se venger contre ce prix-là. Quand ils n'étaient pas au pouvoir, l'inscription à l'université était à 6 000. Maintenant, ça commence à payer de 30 000. C'est contre ça qu'on va se venger. Quand ils n'étaient pas au pouvoir, pour s'inscrire au doctorat, on payait 90 000. Maintenant, on paye 590 000. C'est contre ça qu'on va se venger. Quand ils n'étaient pas au pouvoir, chers parents, la botte de fer coûtait 45 000. Cette botte-là, maintenant, à 80 000. C'est contre ça qu'on va se venger. Quand ils n'étaient pas au pouvoir, la bouteille de gaz coûtait 3 500. C'est à 5 250. C'est contre ça qu'on va se venger. On n'a pas le temps de se venger contre des vauriens. On n'a pas le temps de se venger contre des vauriens. La méchanceté ne s'improvise pas. On est méchant. On devient méchant, on demeure méchant. Mais nous ne savons pas être méchants parce que nous sommes les enfants de Gbagbo Laurent. Quelqu'un qui a fait face à une rébellion, il n'a pas mis les acteurs de cette rébellion en prison. Ce n'est pas maintenant qu'il va se venger. Le fédéral tout à l'heure a dit que Gbagbo Laurent a vaincu la communauté internationale. Moi je dis non, il a convaincu, il n'a pas vaincu. Il a convaincu, il n'a pas vaincu. Parce que ce qui a plaidé pour Gbagbo Laurent, c'est la bonté de son cœur. Ce qui a plaidé pour Gbagbo Laurent, c'est la justesse de son combat. Ce qui a plaidé pour Gbagbo Laurent, c'est la justesse de son combat. Quand tu es dans le faux te rattrape toujours. Mais quand tu es dans le vrai, Dieu combat à ta place. Quand tu es dans le vrai, Dieu combat à ta place. Chers parents, l'heure n'est plus au grand discours, l'heure aux actions pour que Gbagbo Laurent revienne. C'est ça qui est la vérité. C'est à ça que je veux vous engager. Parce qu'ils savent que si Gbagbo Laurent est ici, ils sont gagnants dès le premier tour. Et Gbagbo Laurent a été acquitté. Il a été blanchi de toutes les charges qui pesaient contre lui. On lui a dit qu'il peut rentrer chez lui. Il a permis, il a dit à ses avocats de transmettre une requête à CPI pour dire qu'il vient chez lui. Depuis le 28, la requête est arrivée à Abidjan. Il faut en dire qu'il ne voit pas. Il faut comme s'il ne voit pas. Mais nous, jeunesse du FPI, nous avons un seul mot à leur dire. Jusqu'à la fin du mois, si c'est avion qui manque, si c'est camion ils n'ont pas, on va cotiser pour aller chercher Gbagbo Laurent, parce que c'est lui notre candidat. C'est pas un discours vain. Pour ceux qui nous connaissent, pour ceux qui me connaissent, Pour ceux qui connaissent la JFPI, depuis quoi Justin, Daniel Nestor, en passant par Diéti Abraham, on ne parle pas en vain. Peut-être qu'il y a un problème d'argent. Peut-être que l'avion qui doit aller chercher Gbagbo, la manque de carburant. Nous, on va cotiser, on va aller chercher Gbagbo pour qu'il vienne se présenter. Parce qu'ils ont échoué. Ils ont échoué en tout. Il dit, donnez-moi 5 ans, je vais changer votre vie. Ça fait 10 ans. Il est en train de tourner. Il donne un peu d'argent à des gens qui s'habillent en kita pour dire qu'ils sont chefs traditionnels, qui demandent qu'ils se représentent. Chers amis, allez-y dire à Ouattara, il n'y a pas 3 mandats pour lui. C'est le discours de la GFPI. Et ce discours-là, il est simple et il est clair. Il est simple et il est clair. Jamais nous n'allons accepter un 3e mandat pour Alassane Dramane Ouattara. Et s'il tente un passage en force, nous allons lui démontrer qu'un peuple qui ne parle pas pendant 10 ans, le jour où il parle, c'est pas bon. Voici le message que je suis venu vous donner. Parce que je n'ai pas à faire la preuve qu'ils ont échoué. Ils disent que l'accouchement sera gratuit. Nous tous, on sait. Il y a des gens qui sont trompés, qui ont enceinté leurs femmes, qui ont cru qu'ils n'allaient pas payer. Ils ont pris drap. Ils ont pris drap. On préfère payer un Gbagbo que gratuité de Ouattara. Parce que quand on regarde bien, l'historien qui ne connaît rien en économie, quand il a pris le pays en main, en temps de guerre, il a remboursé tous les crédits. Mais l'économiste, qui d'après lui, il est fort dans tout. Aujourd'hui, on a 13 000 milliards de dettes. Mais c'est de ça qu'ils ont peur. Parce que qui va rembourser ce qu'ils ont volé là? C'est pour ça, quand quelqu'un meurt dans leur camp, on est malheureux. Parce qu'on veut les attraper pour qu'ils remboursent. On ne va pas payer pour eux. Et on ne va pas les mettre en prison. On ne va pas les mettre en exil. S'ils vont en exil, là, qui va rembourser? Ils doivent être avec nous. Et ils vont nous dire où ils ont mis l'argent du pays. Et on va prendre cet argent-là pour rembourser toutes les dettes qu'ils ont créées. Chers amis de la GFPI, votre mission est de rentrer dans l'histoire. Votre mission n'est pas de bavarder. Parce que la jeunesse militante de maintenant s'est abonnée au bavardage. Nous parlons, surtout pour se faire voir, surtout pour se faire entendre, surtout pour se faire un nom. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de rentrer dans l'histoire par des actes audacieux, par des actes courageux. On est arrivé à un tournant. Le pouvoir nous tend les bras, c'est vrai. Mais il s'agit d'aller maintenant dans l'action pour attraper ce pouvoir. Sinon, d'autres personnes vont nous prendre à notre place. Mais ceux qui sont là vont conserver le pouvoir. Ils ont préparé une stratégie de fraude. Vous avez vu l'enrôlement. Ils ont tout fait pour ne pas qu'on puisse enrôler. Parce qu'ils savent qu'à une élection normale, on ne va jamais perdre. Et ils ne vont jamais gagner. Ils ne comptent que sur la fraude. Mais la fraude, là, il y a son médicament. Le médicament de la fraude, c'est la mobilisation. Si vous n'êtes pas mobilisés et vous vous contentez d'être des opposants des salons, on ne va jamais avancer. L'arrivée où on doit se confronter sans peur ni crainte. L'arrivée où on doit tuer en nous toute peur parce que l'heure de l'action est arrivée. On ne doit plus avoir peur des gens qui ont eux-mêmes peur. Ils parlent des virus, mais depuis hier, on voit des manifestations où ils marchent pour demander un 3e mandat pour Ouattara. On espère que quand la GFPI va lancer sa marche pour dire que Ouattara n'est pas candidat, personne ne viendra nous dire qu'on ne peut pas marcher à cause de virus. Parce que cette marche-là, elle va se faire. Cette marche-là, qu'il pleuve, qu'il neige, elle va se faire. Qu'il pleuve, qu'il neige, elle va se faire. Comme ils disent qu'ils marchent pour réclamer un 3e mandat, nous allons marcher pour dire à Ouattara que ton temps est terminé. Il n'y a pas un Ivoirien qui veut encore de Ouattara. Il n'y a pas un Ivoirien qui veut encore de Ouattara. Donc les bandits, les gangsters, Les voyous qui prennent pour se promener, on va se confronter à eux dans les rues et on va marcher pour réclamer que Ouattara ne soit plus candidat. Gare aux policiers, gare aux ministres qui vont nous interdire cette marche-là. Parce que depuis hier, les gens marchent, on attend, on regarde leur réaction, on ne voit aucune réaction. Mais nous aussi, on va marcher. Nous aussi, on va marcher et préparez-vous à ça. Parce que le pouvoir qui vient là, on va prendre ça dans la force, dans la sueur et dans le sang. Donc, fédéral, c'est ce message clair que je viens de donner à mes parents de Cocody. Que celui qui n'est pas prêt, qui ne se sent pas prêt, que celui qui a peur, j'ai un modèle de lettre de démission dans ma voiture. Je peux te donner ça. Qui démissionne? Mais ceux qui sont là et qui vont rester, il faut qu'ils donnent un sens à ce que le secrétaire général d'Assoadou a dit hier. Quand on dit que Gbagbo est candidat, il faut que ce soit suivi d'actions concrètes pour réclamer le retour de Gbagbo loin. En politique, on ne te respecte que lorsque le rapport de force est en ta faveur. En politique, on ne te respecte pas par rapport au nombre de tes déclarations. On ne te respecte pas par rapport au nombre de tes communiqués. On te respecte par rapport à ta capacité de mobilisation. Et il est temps de démontrer que nous avons besoin de Gbagbo Laurent. Quand on dit Gbagbo Laurent, certains disent que nous sommes des... Il y a un mot, non pas peureux. Des rêveurs. Certains disent que nous sommes des fanatiques. Nous ne sommes pas fanatiques. Quand tu vis, c'est pour une cause. C'est pour accomplir des causes qui satisfassent ton âme. C'est pour ça que tu vis. Voir Gbagbo Laurent est en prison ou empêché de participer activement à la vie politique de son pays est une injustice. Parce que quand il a pris le pouvoir pendant 18 mois, on a vu son action pour le bonheur des Ivoiriens. Quand il est arrivé au pouvoir, les policiers, il a augmenté les salaires. Les enseignants, il a augmenté les salaires. Les médecins, il a augmenté les salaires. Les infirmiers, il a augmenté les salaires. Les préfets, il a augmenté les salaires. Les magistrats, il a augmenté les salaires. Quand il est arrivé au pouvoir, il a introduit ce qu'on appelle l'appel à compétence pour le choix de ceux qui vont gérer les régies publiques. C'est la première fois en Afrique. Il aurait pu prendre des douaniers. Mangli, c'est un douanier. Il est du Fonds populaire, vous voyez. Gbagbo aurait pu le nommer depuis 2000. Mais Gbagbo a dit, j'ai fait un appel à compétence. Que les meilleurs viennent concourir. Et on va prendre le meilleur d'entre eux pour être le DG de la douane. Voici comment Niamey qu'on a devenu DG de la douane. Gbagbo a apporté à la Côte d'Ivoire ce qu'aucun autre n'a apporté. Il ne s'agit pas de faire des ponts, mais il s'agit de construire des valeurs qui vont impacter sur des générations. Les ponts là, la pluie a vérifié ça. Les ponts là, l'eau a emporté ça. Ce qui veut dire que tout ce qui est matériel finit par se détériorer. Tout ce qui est matériel finit par se détruire. Mais ce qui est spirituel subsiste au temps. Et Gbagbo a construit des choses spirituelles. Gbagbo a construit, il a tenté de construire une idée de méritocratie dans la Côte d'Ivoire. Gbagbo a voulu privilégier le mérite à la proximité politique, ethnique ou religieuse. Quand Gbagbo vient, son directeur de cabinet s'appelle Inzi Paul David, il n'est pas du FPI. Quand Gbagbo vient, son directeur financier, il s'appelle Jacques Bernard Nouma, il n'est pas du FPI. Le directeur du Trésor, il n'est pas du FPI, il s'appelle Djibi Kofi Chal. Le directeur des impôts, il s'appelle Fekese, il est aujourd'hui du RHDP. C'est cette idée de nation que le FPI ambitionne de bâtir. Aujourd'hui, nous avons des gens qui disent que quand tu n'es pas un nous, libère le tabouret. Il s'appelle Bitoro, il dit il a eu bac B. On dit la Côte d'Ivoire va étonner le monde. Nous étonnons vraiment le monde. Parce qu'il n'y a pas plus nul que ceux-là. Il n'y a pas plus vaurien que ce gars-là. Il parle n'importe comment, il fume drogue. Mais nous sommes dans un pays de narcotrafiquants. Nous sommes dans un pays de narcotrafiquants. Donc c'est normal que des gens qui sont parrainés des microbes racontent n'importe quoi. On n'a pas parlé pendant 10 ans parce qu'il s'agissait de préserver le FPI. On n'a pas parlé pendant 10 ans parce qu'il s'agissait de maintenir le Fonds populaire ivoirien. Mais leur arrivée, on va se parler. Parce que quand ils parlent, ils disent qu'on a fait pont. On a fait pont. On a fait pont. On a fait pont. On arrive en campagne. On a fait le bilan de vos ponts. On a fait le bilan de vos routes. Ne soyez pas complexés. Quand vous additionnez le nombre de kilomètres d'autoroute, Gbagbo Laurent a fait plus qu'Alassane Dramane Ouattara. Parce que l'autoroute Abidjan à Yamsoko est plus long en kilomètres que toutes les autoroutes qui ont été faites par Alassane Ouattara. Il bavarde dans le vide. La voie d'Adjamé, en passant par le Dokui, pour aboutir à Bobo Samaké, c'est Gbagbo Laurent. La voie d'Atoban, qui passe par la rivière 2, pour aboutir à la Palmeraie, c'est Gbagbo Laurent. La voie de Sidessi, le pont de Gwenta, qui sort à Nyango Sud à gauche, c'est Gbagbo Laurent. Les lycées qu'on a construits, je n'ai pas assez de temps pour les citer. Il y a le lycée Simon Lévy Gbagbo, il y a le lycée Bogadoudou, il y a plein de lycées qu'on a bâtis. La différence entre Gbagbo et Ouattara, Ouattara travaille peu, mais bavarde beaucoup. Mais Gbagbo travaille beaucoup, mais parlait peu. On est en campagne et on va se parler. On est en campagne et on va se parler. On est en campagne et on va se parler. Mais plus jamais, ils seront au pouvoir encore ici. Plus jamais. Des gens qui se comparent à nous. Nous, on a fait 18 mois seulement. Et on a vu ce qu'on a fait. Eux, ils ont fait 10 ans. Ils ont dirigé seuls. Tranquillement, il n'y a pas eu de rébellion et ils se comparent à nous. On n'a pas eu autant de dettes. On n'a pas eu autant de scandales. C'est sous Ouattara qu'on a vu des enfants qu'on appelle microbes. Nous, on n'a pas connu ça, malgré la guerre. C'est sous Ouattara qu'une femme est partie s'immoler devant la présidence. Nous, on n'a pas connu ça. C'est sous Ouattara que toutes les calamités de la terre ont touché notre pays. Nous, on n'a pas connu ça. C'est sous Ouattara que les terroristes ont attaqué notre pays. On n'a pas connu ça. C'est sous Ouattara que des gens en Côte d'Ivoire ont dormi au cimetière. On n'a pas connu ça. Ils sont là, ils bavardent. Ils bavardent. Ils ont peur parce qu'ils se sont enrichis. Et ils pensent qu'en reprenant le pouvoir, on va leur arracher leur argent. Comme ils ont arraché à Lydda Kwasi son argent. Ils pensent qu'on va le mettre en prison. Comme ils ont maintenu en prison Dogoblé. Ils pensent qu'on va les maintenir en exil. Comme ils ont maintenu en exil Mohamed Damana Diapikas. Mais nous, on n'est pas comme eux. Parce que nous sommes des enfants de Gbagbo. Parce que l'amour qui est en nous domine toute la haine qu'ils ont essayé de semer en nous. Parce que la joie, la tranquillité, la sérénité qui est en nous domine toute la charge négative qu'ils ont mis dans ce pays et on va les délivrer eux-mêmes. Voici le petit message que je voudrais vous lancer. Mais avant de terminer, je voudrais vous rendre hommage. Parce qu'en 2011, tous ceux qui disaient que Gbagbo Laurent allait revenir, on disait qu'ils étaient fous. On dit, mais comment tu peux... Gbagbo là, il est chez les Blancs. On dit, quand tu es là-bas, tu ne reviens plus. C'est ce qu'ils disaient. Et puis, il y a eu un jeune qui s'appelle Kouadjane. Il y a eu un jeune qui s'appelle Kouadjane. Il y a eu un jeune qui s'appelle Kouadjane. Il y a eu un jeune qui s'appelle Kouadjane. Il y a eu un jeune qui s'appelle Kouadjane. Ce Kouadjane-là, il a rassemblé ses amis, Dieti Abraham, Baby Aimé, Ipou Jocelyne, Sissé Marie-France, Ayemene Jean Blaise. Je ne veux pas citer tous les noms pour ne pas me tromper. Mais il a dit à ses amis, jurons de mener le combat jusqu'au retour du président Laurent Gbagbo. Cette génération est à saluer parce qu'elle a rempli sa mission. Mais le travail de ma génération, Dadier Magoua, je m'adresse à toi, c'est de refaire revenir Laurent Gbagbo au pouvoir d'État. À chaque génération, sa mission. Frantz Fanon, pour ceux qui lisent, vous lisez, non? Vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas derrière. Je suis sûr que Victor n'a jamais lu. Frantz Fanon a dit Toute génération a une mission. Et dans une relative opacité, cette génération doit découvrir sa mission et l'accomplir dans un environnement semé d'embûches. C'est notre mission. Géhi Koulibaly, c'est notre mission. José Kouadjane, c'est notre mission. Akembo Fleur, c'est notre mission. Bitou Ouattara, c'est notre mission. La mission de notre génération est de ramener Koutou Laurent Gbagbo au pouvoir en 2020. Chers amis, Gapakalos, qui est membre de cette génération, voici la mission qui est la tienne. Il faut mobiliser tes amis. Il faut que les structures soient en marche. Il ne faudra pas être fédéral pour être fédéral. Dans l'opération éveil des consciences, dans l'ouest du pays, on est tombé sur un monsieur, on dit fédéral FPI, dit c'est moi. On dit fédéral GFPI, dit c'est moi encore. On dit FPI, dit c'est moi, ma femme est là. Il ne faudrait pas qu'on ait des fédéraux de nom, mais il faut des fédéraux qui sont actifs et qui connaissent les victoires. La GFPI de 2020 sera une GFPI qui aura une gestion comme une gestion en entreprise. On vous demandera des résultats. On vous demandera une efficacité. On mettra en place des mécanismes qui permettront de jauger votre efficacité. Cette JFPI-là n'est pas la JFPI d'avant. On attend de vous d'avoir des résultats. Et le premier résultat, c'est que Gbagbo Laurent revienne au pouvoir d'État en 2020. Je veux finir, encore une fois, par dire merci au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que nous avons cru, nous avons prié. Si hier, vous n'avez pas boycotté les élections d'avant, on n'aurait pas atteint ce résultat-là. Si hier, vous n'aviez pas soutenu Gbagbo Laurent, on n'aurait pas atteint ce résultat-là. Notre candidat, il est connu. Notre candidat, il est connu. Hier, le secrétaire général a eu une séance de travail et à l'unanimité, ils ont décidé que le candidat du Front populaire ivoirien en cette année 2020 soit Koudou Laurent Gbagbo. Notre candidat s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. À partir de ce moment, votre mission est de vous mettre en campagne dès ce soir. Dès ce soir, vous devez investir vos voisinages. Vous devez investir les maquis. Vous devez investir les boîtes de nuit. Vous devez investir les endroits où il y a où on mange. Vous devez investir tous les endroits où il y a du monde, pour faire campagne pour le président Koudou Laurent Gbagbo. Vous devez dire à ceux qui ont douté hier que Gbagbo Laurent est revenu, qu'il n'est pas honte, qu'il revienne parce qu'ensemble on va accomplir de grandes choses. C'est votre mission et vous ne devez pas la trahir et vous devez l'accomplir. Parce que je dis toujours, ceux qui en 2000 avaient 20 ans, en 2020 ils auront 40 ans. Et ceux-là n'ont jamais pu travailler. Si on ne prend pas le pouvoir cette année, on risque d'avoir des retraités qui n'ont jamais travaillé. C'est le moment où jamais. Cette année, ça passe ou ça casse. Cette année, ça passe ou ça casse. Cette année, ça passe ou ça casse. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Merci. On va sonner. Accompagnez-le avec des applaudissements. Veuillez ovationner. Veuillez ovationner notre invité. Merci. She's